pourquoi est-ce qu'on part en vacances? Vraiment, là, on va sortir. Oui, et tu te rappelles encore un mot en français pour dire ça? C'est quoi le mot en anglais? To. On se parle même to. Voilà. Et en français? Relaxer. Voilà. Par exemple, du ski, du surf, de la parapente. Ouais. Vous vous souvenez, j'ai déjà expliqué parapente. C'est quoi parapente? Faire du parapente? Rien. Parachute. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est avec une parachute. Tu as une question ou c'est pour répondre? Question? Et finalement, un voyage culturel alors, c'est quoi? Vas-y, hein? C'est? Oui, c'est ça. Bien sûr, tu peux lire? Tout ce qu'il y a. Très bien. Par exemple, un pays, c'est quoi un pays qui peut traduire? Alors. Un nom, très bien. Et une région? Région. Et finalement, le tourisme émetteur, ce sont les habitants d'un certain pays qui vont à l'étranger. C'est quoi à l'étranger? Ils vont à l'étranger. Par exemple, pour nous, l'étranger, c'est la France, les États-Unis, c'est tout à l'étranger. Donc ça, c'est voyager. Mais quand nous allons à l'étranger, on va par exemple aux Pays-Bas, ou au Pérou. Oui, en général, oui. C'est plus précis. À l'étranger. À l'Irlande. Oui, mais les États-Unis, par exemple, c'est aussi à l'étranger. Je ne sais pas. Maintenant. Très bien, c'est ça. À l'étranger, Julie et Niele, elles habitent à Gand, donc en Belgique. Ils vont aux Ardennes. Les Ardennes. C'est en dehors de la Belgique ou c'est dans la Belgique? C'est dans la Belgique. Donc, oui, c'est ça. C'est le tourisme. Mais à la page suivante, quand vous tournez la page, vous allez voir une petite liste de mots. Ici, j'ai noté les traductions en irlandais. Là, vous avez les mots en français. Alors, quand vous regardez le tableau, qui peut me dire quelle est la traduction d'un pays? On a déjà dit. Il y a trois types de tourisme différents. Voilà. Et lesquels? À l'étranger. Donc, à l'étranger. On va vous à l'étranger, Ross. Mathis. Voilà, donc à l'étranger. Un bâtiment. Très bien.